Enfoncez cette porte, ce sont des chrétiens. Tu ne dois jamais plus avoir peur, Tullio. Tiens, ne te sépare jamais de la croix. Et souviens-toi. Souviens-toi de tout ce que je t'ai enseigné, Tullio. La foi en Dieu, la foi dans la croix, te protégeront. Prépare mon cheval. C'est un désastre. Qu'a-t-il pu arriver? Mais enfin, que se passe-t-il? Il faut que tu nous suives, Marcus. Je suis prêt. De quoi s'agit-il? Cette arme ne te servira pas, Marcus. Rome m'a confié la mission de te faire prisonnier. Nous savons que tu es chrétien. En tant que représentant du Sénat romain, et par ordre du proconsul Junius, je t'arrête pour conspiration. Vous ne pouvez pas faire cela. Constantin a donné aux chrétiens l'égalité des droits. Nous ne sommes plus dehors la loi. Constantin est mort. Et Valentin n'a pas l'air d'avoir les mêmes idées. Il faut nous suivre sans résistance, Marcus. Alors ces flammes, c'est un bûcher de chrétiens. La fureur s'est déchaînée. Marcus, je viens avec toi. Non, ne bouge pas d'ici, Lucia. Ça, c'est l'œuvre de Junius. Mais Caius va revenir bientôt et il écoutera nos prières. Partons. Vous êtes arrivés avant l'aube. Marcus! Marcus! Où est le tribun, Marcus? Nous l'avons mis par là. Salve, chrétien. J'espère que ta nouvelle niche te plaît.
Les temps ont changé depuis hier. Lève-toi quand je te parle. Tu te souviens, Valerio du tribun Marcus, l'ami de Caius? Le voilà. Regarde-le maintenant. Tu croyais que la fête allait durer éternellement. Tu as réussi à convertir ma pauvre Alicia. Où l'as-tu emmenée? Réponds! Et bien parle! Mais tu n'es pas un bon chrétien, Marcus. Tu ne tends pas la joue gauche à celui qui soufflette ta joue droite. Fais bien attention, Junius. Je ne suis peut-être pas un très bon chrétien, mais je t'avertis que s'il doit arriver quelque chose... Tais-toi, Alicia. Maintenant, l'ordre est enfin rétabli. Les vieilles lois sont rentrées en vigueur. Et le peuple recommence à crier « Mort aux chrétiens !» C'est toi qui les dresses contre nous avec tes sales mensonges. Des mensonges? Faites-le travailler à la meule. Bien. Comme ça, le peuple le verra enchaîné. À la ferme quand ils sont venus chez nous. Où sont Alicia et tous les autres? Ce sont eux justement qui m'ont envoyé. Ils sont tous vivants. Eh ben là-bas, gosse, qu'est-ce que tu fais, hein? Peux-tu te sauver ou tu vas t'adapter de mon fouet? File! Allons, travaillez, bande de fainéants! Et toi, je vais t'apprendre à arriver. Travaillez! Et toi? Tribun. C'est vous. Allez, frappez-moi. Xenia et moi pensons qu'il serait plus divertissant de voir Marcus dans l'arène. Nous sommes curieux de voir comment ce chrétien saura se tenir en face d'un gladiateur. Et à qui veux-tu l'opposer dans l'arène? Vous vous souvenez de ce gigantesque barbare qui combat avec une hache et de si curieuses chaînes? Oui, bien sûr. Je pense que celui-là serait l'adversaire idéal. Très bien. Demain qu'il soit en présence dans l'arène. Bravo, Xenia. Buvons maintenant au début des combats de notre héros chrétien. Tu es le tribun Marcus. Je me souviens de toi, tout petit garçon à la Nouvelle-Carthage. J'étais alors un ami de ton père. Mais tu es Mathéo, alors? Eh oui, je comprends que tu aies eu du mal à me reconnaître. La marque des ans s'imprime sur les hommes. Mais heureusement, les cœurs, eux, ne changent pas. N'ai-je pas raison? Te souviens-tu quand tu jouais avec mes parchemins? Oui, tes parchemins et le grand atrium où tu écrivais. Te souviens-tu du temple où nous nous réunissions à cette époque? Déjà, nous étions persécutés à cause de notre foi. Mais bientôt, tu verras, la lumière reviendra parce que personne maintenant ne pourra détruire ce que l'empereur Constantin a fait. Tout ce qui se passe en ce moment prouve que désormais l'empire païen va s'écrouler. Et il viendra ensuite d'autres hommes justes, j'en suis certain. Aie confiance. Eh ben, Marcus! Oui? C'est moi. Viens avec nous.
Où l'emmenez-vous? Dans l'arène. Il peut encore combattre, il va nous montrer ce qu'il sait faire. Toi, tu es encore un peu jeune pour ça, grand-père. Le proconsul préfère te réserver au lion. Les gladiateurs. Au bientôt, Genius. Mon chrétien sera le premier. Le barbare que tu as choisi a déjà préparé ses armes. Tribun, viens avec nous, dépêche-toi. Non, non, pas par là. Viens par ici. Je vais envoyer dans l'arène. Que se passe-t-il? Eh bien, ce sont ces idiots qui ont laissé Marcus s'enfuir. Quand? Il y a encore très peu de temps, il était dans le souterrain. Il est sorti, paraît-il, avec des soldats. Il faut absolument que vous le retrouviez. Fouillez partout dans Rome. Va! Je ne veux pas qu'il nous échappe. Je t'en prie. Alors, ne perdons pas de temps. Il faut que je t'abandonne de nouveau, Lucia. Non, Marcus, non. Cette fois, je viens avec toi. Je ne te Allez, quitterai vite, jamais cheval. Plus. Ils sont tous avec nous. Si la chance nous sourit, en 2 jours, nous rejoindrons Caius et ses légions. Ils vont réussir, tu verras, ils vont réussir. Avoir disparu. Il faut les retrouver, Valerio, coûte que coûte. Proconsul Junius, la femme est là. Où ont-ils fui? Je ne sais rien. Tu mens, tu le sais. Tu vas me dire immédiatement où sont passés les chevaux de ta ferme. Ils me les ont volés, ils me les ont volés, c'est tout ce que je peux dire. C'est ton fils? Dis la vérité et je te le rendrai. Oh, ne lui faites pas de mal, il ne sait rien. Ils ont fui, c'est vrai, mais je ne sais pas où ils sont. Mais si, dis-le vite si tu veux ton fils. Dans la forêt, sur la montagne. Ne lui fais pas de mal. Emmenez-les tous les deux. Mettez-les avec les chrétiens destinés à la reine. Ils sont dans la montagne. Ils veulent rejoindre Caius. Mais il ne faut pas qu'ils y réussissent. Prends tous les hommes que tu veux et suis-les, Valerio. Je ne veux pas qu'ils réussissent à rejoindre Caius. Toi, va surveiller l'entrée de la vallée. Bien. Arrêtons-nous ici. Pour faire boire les chevaux et les laisser se reposer un peu. J'ai passé des jours affreux séparés de toi, Marcus. Mais nous aurons bientôt rejoint Caius et nous ne nous séparerons plus. Tu veux combattre avec Caius? Oui,
Nous devons essayer d'aller libérer les autres. Ce sont nos frères. Je ne sais pas pourquoi j'ai peur. C'est comme un pressentiment. J'ai tellement peur pour toi. Je t'en prie, calme-toi. Tu n'as rien à craindre. Marcus! La cavalerie romaine. Ils sont nombreux, c'est Valère qui les commande. Où les as-tu vus? Ils sont dans la vallée et ils suivent nos traces. Ne t'inquiète pas, Alicia. Séparons-nous et passons par les montagnes. Nous nous retrouverons à la grande digue. Bonne chance, Tribun. Nous prenons par la gauche. Adieu, Tribun. Bonne chance. Suivez-moi. Mais ils sont nombreux, Marcus. Ils ne vont pas tarder. Ils sont là-haut. En avant. J'ai une idée. Aidez-moi. Là, oui. Allez. Poussez. Là. Allez. À terre. Par ici, les archers. En place, vite. Oui. Oh. Les archers. Attention, Marcus, les archers. Ah. Licia, Licia. Allez, allez. Tirez la flèche. Vous autres, préparez un brancard. Thank you.
Laisse-moi ici. Vous perdez trop de temps à vous occuper de moi. Ne dis pas cela, Alicia. Ne dépense pas tes forces. Nous aurons bientôt rejoint mon ami Caius. Et là, nous pourrons soigner ta blessure. Sois forte, Alicia, tu guériras. Allons, pressez-vous. Regarde là-haut. Vite, au col. Et les chevaux? Non, laissons-les, nous t'embarrasserons. Allons-nous-en tout de suite. Il faut traverser la vallée inondée. Nous y arriverons, Lucien. Tu verras. Non, laissez-les. Ils pourraient nous trahir. Dépêchez-vous. On a dû en réchapper. Rentrons au camp. Thank you.
Pas les armes! Halte! Halte! Tu es Romain et tu combats les hommes de Junius? Pourquoi? Il faut que tu saches que nous ne sommes pas ce que tu crois. Nous ne sommes pas des brigands. Notre seul et unique tort, c'est d'être des chrétiens. Et Junius nous persécute à cause de ça. Nous voulons à tout prix rejoindre Caius. Et toi, qui fus son allié, je pense que tu dois savoir que c'est un homme juste. Caius est loin. Il ne peut rien pour toi. Quant à cette femme, elle est trop faible pour une si longue route. Non, je ne suis plus l'allié de Rome. Bien des choses ont changé depuis. Maintenant, tu es aussi un rebelle, donc un ennemi des Romains. Et qui combat les Romains est mon ami. Allez, suivez-moi. Tu pourras la soigner. Avertir Junius que la patrouille rentre au palais. La patrouille arrive. Valerio. Marcus a rompu la Grundig. Je dois être le seul survivant. Laisse-nous. Marcus. Et les rebelles de la deuxième centurie se sont mis avec les barbares. Avec les barbares? Oui, je les ai vus et entendus. Elysia est avec eux, blessée. Les barbares les avaient attaqués. Ils pouvaient anéantir nos fuyards, ils les ont épargnés. Et ensuite, ils les ont emmenés à leur campement, c'est tout ce que je sais. Bien. Au fond, cela sert admirablement notre jeu. Caius sera bientôt ici. Et il ne pourra plus nous accuser d'avoir été trop cruel avec ses chers chrétiens, maintenant qu'ils se sont alliés avec les ennemis de Rome. Oh, mais c'est Valerio qui est de retour. Mais à ce que je peux voir, il a eu le temps de prendre des bains de boue. Oui, Valerio est un raffiné. Il trouve les bains de lait trop classiques. Le vin de Chio, voilà le vrai régal pour les mortels. Et surtout après l'eau que j'ai dû boire. Où est donc passé Svelta? Avec le chrétien, elle soigne le blessé.
m'excuse, pardonne-moi. Je sais que je ne t'ai jamais beaucoup aidé, au contraire. Oh. Oh. Mon amour, tu ne dois pas avoir de peine. Bientôt, je vais voir la lumière. Bientôt, je connaîtrai la vérité. Tais-toi, je t'en prie, Lucien. Tu ne dois pas mourir, non. Lucien. Lucien. Non. Non. Non, Lucien. Où es-tu, Svelta? Svelta, chrétien, venez donc festoyer avec nous. Hein? Accueille-la dans tes bras, ô Seigneur, accueille-la. Aide-moi à pardonner à Junius la mort de Lucien. Ce sera, tu le sais, une épreuve terrible, Seigneur. Je t'en prie, fais que ce ne soit pas moi qui ai à le tuer. Consul Caius. Ave, Junius. Nous avons eu une marche très pénible à travers les champs et les forêts inondées. Tu te reposeras de toutes tes fatigues dans mon palais. Et je pourrai te mettre au courant de ce qui s'est passé ici. Et de la raison pour laquelle tout est inondé. Assieds-toi, Caius. Qu'est-ce qui ne va pas? Bien des choses, Caius. Tu as vu les dégâts causés par les inondations. Beaucoup d'autres actes de malveillance ont été à déplorer depuis un certain temps. Par qui, selon toi? Par les chrétiens. Oui, Caius. Ce sont les chrétiens qui ont fait écrouler la digue, ce qui a coûté la vie à une centurie tout entière, ni plus ni moins. Seul Valerio en a réchappé par miracle. Tu te souviens de ton vieil ami, le tribun Marcus? Eh bien, c'est lui le responsable de cette rébellion. Mais où serait-il donc? Tu ne le devineras jamais. Il est au campement des barbares. Il s'est allié avec eux. Marcus? Oui. Je sais que la chose peut te paraître incroyable, et pourtant c'est ainsi. Je le connais mieux que toi.
Et j'aimerais te donner un bon conseil. S'il est vrai qu'il est au campement des barbares chez Racco, charge un messager d'aller le trouver. Qu'il l'invite à venir combattre dans l'arène en ma présence. Qu'il lui dise que s'il accepte, je ferai libérer les prisonniers chrétiens que nous avons. Je suis bien certain que pour les sauver, il acceptera. Je connais son âme. Il ne se dérobera pas. Caius, les chrétiens doivent tous mourir. Mourir? Non. N'oublie pas que leur force est basée sur les martyrs. Tu veux faire naître d'autres vocations. Envoie un messager. Et c'est seulement si Marcus se dérobe que tu pourras enfin ouvrir les cages de tes lions. Caius a raison. Ce n'est que si je peux arriver à prouver publiquement sa lâcheté, s'il refuse le combat, que les lions pourront calmer leur faim. Valerio, envoie-lui un messager. Mais souviens-toi que les bois sont pleins de traquenards et qu'un messager n'est pas tellement sûr d'atteindre son but. Ne t'inquiète pas, il aura des ennuis en chemin, celui-là. Presse-toi. Ah, Valerio, le message doit porter le sceau de Caius, c'est très important. Et que l'homme parte en présence du consul. Je pense que tu auras du mal à faire mieux. Tu es très adroit, Marcus. Si tu te décidais à ne pas nous quitter, tu aurais vite un poste de chef dans la tribu. Je voudrais que toute la tristesse que je lis dans tes yeux disparaisse. Je voudrais de nouveau te voir heureux. Marcus! Un groupe de cavaliers! On dirait des Romains! Il demande la permission d'entrer! Écoutez-moi! S'il y a parmi vous le tribun Marcus, ce message est pour lui! De la part du consul Caius! Le consul m'offre un marché, que j'aille dans l'arène pour gagner la liberté de nos frères prisonniers que Junius veut donner en pâture à ses fauves. Et que comptes-tu faire? Mais y aller? Non, Marcus, c'est un piège, j'en suis certaine. Je ne crois pas. Caius est un homme loyal. Il ne faut pas y aller, c'est de la folie. Là, tu es sûr de tomber entre les mains de tes ennemis. Peut-être, mais je pourrais au moins sauver la vie de mes frères en Jésus-Christ. Non, enfin, que t'importe la vie des autres si tu dois renoncer à ton bonheur? Un jour, j'espère, tu comprendras toi aussi, Svelta. Pour un vrai chrétien, une autre vie commence après la mort. Une vie de pardon, une vie éternelle auprès de Dieu. Tu n'iras pas seul dans l'arène. Constatez, Caius, Marcus s'est bien gardé de répondre à ton invitation.
Junius. J'ai oublié de te dire que moi aussi, j'avais envoyé un messager. Mais mon messager est de ceux qui arrivent. Ave, Caius. Je te suis reconnaissant de m'avoir fait appeler. Ave, Marcus. Tu viens donc te battre dans l'arène pour ta liberté et celle de tes frères qui sont prisonniers. Je suis prêt. Que vois-tu dans ce que je tiens là? Une croix. Et une clarté qui s'en dégage comme du soleil, mais encore plus forte. Si tu fixes le soleil, sa clarté t'éblouit, Marcus. Non, elle n'aveugle pas, cette clarté-là, si on la regarde avec les yeux de l'âme et du cœur. Alors va. Combat, tribun Marcus. Et sauve la vie de tes frères. C'est bien ainsi que tu les appelles, si je ne me trompe. N'est-ce pas? Oui, Caius. Ce sont mes frères. Chrétien n'a besoin que de sa foi pour se battre. Sans armes, il a perdu d'avance. Ah oui, c'est sûr. Ils sont trois contre Marcus. Il a mérité sa victoire s'il gagne. Il a mis le deuxième hors de combat. Contre celui-là, je crois qu'il n'est pas de taille. Moi, je t'ai dit que Marcus finira par le vaincre. Remerciez le Seigneur, mes frères. Tu es vainqueur, Marcus. Tu as la liberté. Nous autres chrétiens, ce n'est pas seulement la liberté que nous désirons. Nous voulons servir Rome et être des soldats, nous aussi. Rassemblés sous le signe de la croix. Nous ne voulons pas seulement être de grands hommes dans un petit monde.
mais de simples hommes dans l'univers. Libérez-les. J'accepte ton offre, tribun des chrétiens. Tullio, nous avons toujours été libres. Parce que si on a la foi en Dieu, on voit partout la lumière du ciel. Sous Rome, la loi ne change pas. L'empereur Valentin suit la même politique que l'empereur Constantin. Tu devras répondre devant le Sénat de tous les crimes que tu as commis. L'expédition contre les barbares que je dois entreprendre parce qu'ils ont pénétré sur notre territoire n'aurait pas été nécessaire si tu n'avais pas eu cette violence vis-à-vis de ces gens-là. À mon retour de la guerre, tu partiras pour Rome. En attendant, tu resteras enfermé dans ta demeure. Et n'essaie pas de fuir. Car la justice de Rome te trouvera où que tu te caches. Maintenant, va. Tu m'as fait demander, Caius? En effet, Marcus. Assieds-toi. Vous autres chrétiens, vous refusez de tuer. C'est votre loi. C'est bien cela. En temps de paix, c'est-à-dire, car au combat, vous êtes courageux si la guerre est juste. Vois-tu, Marcus, nous avons combattu très souvent ensemble déjà, et nous avons vaincu. Mais cette fois, malheureusement, je ne suis pas sûr de notre réussite. C'est pourquoi je sollicite ton aide et celle de tes soldats chrétiens. Les tribus barbares de la montagne se sont soulevées, il faut les soumettre. Je pourrais t'en donner l'ordre, mais dans ce cas, je tiens à te le demander pour te prouver l'estime que j'ai pour toi. Marcus, es-tu prêt à combattre pour l'Empire? Avec plaisir, Caius. Mes amis chrétiens et moi serons toujours à tes côtés. Car là où tu es, nous savons que le droit et la justice règnent. Des victoires.
combat pour la grandeur de Rome. Le grand meneur d'homme. Donne donc ta vie pour la patrie. Le Sénat t'en sera reconnaissant. Et moi aussi, d'ailleurs. Oui, moi surtout. Valerio, j'ai l'impression que notre Sénat n'aura pas le suprême plaisir de me juger. Tu vas voir. Où vas-tu? Où vas-tu, Xenia? La fortune commence à t'abandonner, Junius. Et je n'ai pas une âme chrétienne. Que veux-tu? Je suis plutôt de la race des tournesols. Ces fleurs jaunes qui se tournent vers le soleil au long de sa course. Je m'en vais. Je suis le soleil. Tu as l'audace de me faire ça? Tu t'en repentiras. Et la troisième cohorte soutiendront l'attaque de France, celle-ci. La neuvième et la dixième couvriront les flancs, par ici et par là. Comme vous le voyez, la rencontre aura lieu ici, dans la plaine de Glézard que voici. Toutes les tribus barbares, aussi bizarres que cela soit, sont dans la plaine. Exactement là où notre célèbre cavalerie peut les vaincre avec facilité. Et c'est justement cela. Il ne me dit rien qui vaille parce que je connais bien leur chef, Racco. Ce n'est pas un apprenti dans l'art de la guerre. N'oublie pas, la quatrième et la septième cohorte viennent par la forêt et vont déboucher à l'ouest sur leurs arrières. La surprise les déroutera. Oui, mais leur avance se trouve très ralentie par les chariots. Je compte plutôt sur l'intervention de la cavalerie dans ce cas. Elle doit nous rejoindre dans la plaine en passant ici par les gorges du Varennes. À vos postes maintenant. Demandons aux dieux de protéger notre bataille et le destin de Rome. Je crois qu'on en a encore pour longtemps à patauger dans la boue. On est bientôt dans la plaine où on doit trouver Caius. Une bonne chose de ne pas avoir eu de surprise en route. Thank you.
rejoindre Racco avant que la bataille commence. Antonio, il n'est pas au rendez-vous avec ses hommes. Quant à la quatrième et à la septième cohorte, elles ne sont pas là non plus. Il y a eu des embuscades. Regarde, les Illyriens. Les barbares et les Illyriens. C'était cela la surprise que nous réservait Racco. Consul, les Illyriens. Ils se sont alliés aux barbares. Oui, nous avons vu, ce sera un combat très dur. Mais ils sont mieux armés que nous. Et derrière leur cavalerie, il y a les tribus de toute la région. Cela représente des milliers de soldats. Nous n'avons pas le choix, hélas. Fais confiance à ton courage, Elio. Fais confiance au courage et à la fortune des Romains. La perte de cette bataille serait la fin de l'Empire. Allez, au galop, à l'attaque! Marcus, c'en est fini pour nos légions. C'en est fini pour Rome. Mais toi, Marcus, il faut te sauver. Avec tes chrétiens, essaie d'atteindre les gorges du Varenne. Là, tu n'auras qu'à attendre la cavalerie de Sventonio. Va-t'en tout de suite, Marcus. Et puisse le Dieu des chrétiens te protéger. À quoi songes-tu? À Caius, à Lycia, et à tous ceux que la guerre tue sur les champs de bataille. Depuis que le monde existe et que les hommes se haïssent. Et je me demande à quoi peuvent servir tous ces morts. La vie est si courte que seul Dieu a le droit de la retirer. Mais quel Dieu? Le vôtre ou les nôtres? Moi, je crois qu'il n'y a pas de Dieu. Pas plus qu'il n'y a d'éternité après la mort. Vous, les chrétiens, vous refusez de voir la réalité. Parce qu'elle vous fait peur.
Parce qu'elle est faite de violence, comme la vie, et qu'elle est laide. Non, Svelta. Il est une chose plus forte que la violence du jour où on la connaît. Tu ne peux pas comprendre cela encore. C'est l'amour de son prochain en Dieu. Alors, dis-moi, Marcus, si c'est vrai, pourquoi ton Dieu ne nous aide pas? Dieu nous aide. Toujours. Mais il faut lui faire confiance. Ordonne à tes soldats de s'arrêter. Tu vas commettre une folie. Ça ne te servira à rien de gagner cette bataille contre Rome. Réfléchis. D'autres batailles auront lieu après ma mort et d'autres chefs t'extermineront. Nous avons été amis tous les deux, Marcus, quand tu étais aussi un ennemi des Romains. Aujourd'hui, tu es retourné vers eux. Par conséquent, tu luttes contre moi. Je t'en prie, épargne-les, Racco. Au combat, Marcus! Et maintenant, espérons que la cavalerie de Sventonio sera là à temps. Tu as peur? Oui, pour toi. Pourquoi te soucier de moi? Svelta, je ne suis même pas de ta tribu. Ils vont nous massacrer jusqu'au dernier. N'hésite pas, il en est encore temps. Retourne avec les tiens. Si tu restes ici, tu suivras notre destin. Mais c'est ton destin que je veux suivre, Marcus, pour le pire comme pour le meilleur, si ton Dieu veut nous épargner. Non, Svelta, retourne avec eux. En avant! Il est trop tard maintenant, Romain. Thank you.
Repliez-vous! Suivez-moi! Nous nous rencontrons toujours dans les moments difficiles. Où est Caius? Il est mort. Nous avons perdu de nombreux légionnaires. Nous avons été attaqués par les Germains. C'est pour cette raison que nous ne sommes pas arrivés à temps au rendez-vous. Retourne dans la cité, Marcus, et prépare la défense. Moi, je reste ici. Bonne chance. Junius, Valerio, la bataille est perdue. Seul un petit groupe d'hommes revient vers la cité. Caius est mort. Mort? Oui, et le commandement est passé entre les mains de Marcus. Combien sont-ils? Ils sont en tout cas beaucoup moins nombreux que les partisans que tu as ici, Junius. Avertissez les soldats et le peuple que je veux leur parler tout de suite. Allez! Caius est mort. Ce grand soldat qui jamais jusqu'ici n'avait perdu une bataille s'est trouvé cette fois écrasé sous le nombre des barbares. Les chrétiens, une nouvelle fois, nous ont trahis. S'ils avaient tenu leur place comme convenu dans la bataille, nous aurions remporté la victoire. Et nous ne serions pas là à déplorer la perte d'un grand chef et d'un grand soldat. Sa mort est un deuil cruel pour l'Empire. Un homme généreux a été tué par la haine et par la perfidie des chrétiens. Écoutez-moi bien et retenez ce que je vais vous dire. Je vous jure solennellement que je ne permettrai jamais que tous ces ignobles traîtres reviennent vivre parmi nous. Quel est le sort qu'ils méritent? C'est à vous de les juger, vous qui, dans le deuil, pleurez en secret la mort de vos pères, de vos fils et de vos frères. Quel sort leur réservez-vous? La mort! Que dois-je faire d'eux? Les tuer! Les tuer! La mort! La mort! La mort! Les tuer! La mort! La mort! La mort! Marcus et ses soldats sont prêts à rentrer dans la cité. Très bien. Je vais faire suspendre le spectacle et nous allons le recevoir dignement. Thank you.
signifie tout cela, Junius? Et que signifie cet accueil? Je crois que cette fois-ci, même votre Dieu ne vous sauvera pas. Désarmez-les et arrêtez-les! Non, n'approchez pas! Laissez-moi! Comment osez-vous? Lâchez-moi! Junius! Lâchez-moi! Galache! Marcus! Marcus! Que la dépouille du grand Caius reste exposée ici, afin que chacun puisse venir respectueusement saluer ce soldat héroïque et malheureux qui fut la gloire de l'Empire. Junius, tu as été magnifique. Tu as le peuple et les soldats entre les mains. Oui, Valerio. Cette fois, je crois que nous sommes vraiment les maîtres. Va t'assurer que les survivants ont été emprisonnés. Qu'est-ce que tu veux, toi? Je me tourne toujours vers le soleil. Voilà la légende des vilains brigands. C'est celle-là. Laissez-moi! Marcus! Marcus! Non! Non! Lâchez-la! Lâchez-moi! Lâchez-la! Au secours! Non, lâchez-moi! Où l'emmènes-tu, Valerio? Marcus! Junius me l'a donné comme esclave. Désormais, elle est à moi, Marcus. Tu es gentil de m'avoir invité au banquet de Junius. Mais ta beauté le méritait. Oh, tu l'oublies assez souvent, ma beauté, soi-disant reproche. Que dirais-tu, Xenia, si nous partions demain? Non. Tu verras quand je te comblerai. Approchez, goûtez à ce vin, viens. Non, non, non. Junius! Valerio, bienvenue, Valerio. Et bienvenue également à ta nouvelle esclave. Je suis sûr que ce cher ami Marcus sera heureux de savoir qu'elle participe à cette petite fête. Viens, présente-nous cette beauté barbare. Nous sommes impatients de la voir de plus près. Ne te révolte pas. Je peux te dire que ton nouveau maître remplacera avantageusement l'ancien. Tu es un monstre, Junius. Mais les dieux te puniront. Quel dieu? Même le grand, l'unique. Le fameux dieu des chrétiens n'a pas réussi à m'arrêter. Ici, nous vivons, nous aimons. Pendant qu'eux, ils meurent dans les arènes. Seigneur, assiste tes filles. Ne bougez pas!
Marcus. Svelta. Maman. Au nom du Christ, prenez soin de lui. Maintenant, il va rester seul au monde. Soyez pour lui un père et une mère. Sous le signe de la croix.